pense que ça a été Frédéric, puisqu'on a passé toute ma vie à m'appeler Frédéric. Donc voilà, c'est comme ça et ça continue encore pour me chambrer. Donc voilà. Mon premier surnom, c'était Tom, tout simplement. Ça doit être dans les 15-16 ans quand on commence à faire les premières soirées, qu'on invente qu'on dort chez un collègue ou chez un autre. Et bon, on dort jamais chez un collègue. À 14-15 ans, j'ai dit à mes parents que je vais chez un collègue et j'ai pris ma première cuite. Je me suis pas levé pendant 3 jours. C'était avec un collègue à moi en vacances à la campagne chez mes parents. On avait cassé une voiture avec des pierres et qui était dans un champ, qui était une voiture qui était morte, mais on avait cassé toutes les vitres avec des pierres, on l'avait retourné. Quand j'étais petit, j'avais un nounours qui me plaisait pas. J'ai pris la boîte d'allumettes. J'ai brûlé le nounours, il a pris feu dans la chambre, c'est ma mère en courant qui l'a jeté par la fenêtre. C'était pour avoir répondu à un surveillant, et pas fier, parce qu'il a fallu annoncer aux parents un sale moment. C'était à ma rentrée en sixième. Je m'étais battu dès le premier jour. J'avais été exclu une semaine. Et après, j'avais été collé tous les mercredis. Ils m'avaient collé avant d'aller à la section rugby. Voilà. Imaginez le Bonjour. guerrier que vous avez là. Le Ah, numéro 7 qu'il y a sur le terrain, c'est un numéro animal. 7, t'as dit. Ah bah ouais. Ça va, ça va. T'es indétrônable. Merci. C'est bon, ça, je... Alors, la Là, vie, c'est j'aime posé, pas, c'est par posé, contre, c'est ça posé. me gêne. 14-15 ans, pareil, on s'était fait une crête, je sais plus pour quelle. Pourquoi ni comment, je m'en rappelle plus, mais c'était la première coupe un peu louche, on va dire. C'était la première décoloration, je crois que c'était pour le rugby ou un truc comme ça. Mon père, il avait pas voulu que je me décolore la tête. Et j'avais décoloré que la petite mèche devant. C'était catastrophique. Bref. Officiel, officieuse. Là, tu te laisses te démerder. Ouais, mais Là, tu vas tu peux m'attirer le des mettre. problèmes, mais Là, il est dans la merde. violentissimes. Mais genre une grosse merde. Ma première copine, on va dire officielle, ça a été la mère de mon fils, que j'ai connu quand je venais de faire 18 ans à peine. Je l'avais invité à mon anniversaire comme ça avec mes collègues, et voilà. Ça devait être au collège, c'était un petit truc de moi, très simple. Je ne me rappelle même pas du prénom de la fille. Ah, c'est moche. Mais non. C'est moche, c'est Maeva, je crois. moche. Maeva. Ah, Alors on va lui voilà. donner un Maeva, je crois. FIFA sur Play 1. Je pense que c'était Super Mario sur la Super Nintendo. I am petit frère. Peut-être James la boulette avec Tragédie le matin quand on allait. Je pense que c'était quand on allait au collège. Là, vers la rentrée 6e, un C'était truc comme quoi? ça, Un c'était petit lecteur MP3? ouais, les premiers lecteurs MP3 d'Espagne comme ça, là, qui étaient. Il y avait 7 ou 8 musiques et on était Bon, nickel. refait. Voilà. C'était à Annecy avec Obona. Match compliqué, mais match gagné. Moi, c'était avec Montpellier, évidemment, en top 14. Ah oui? Oui, monsieur. Oui. Ça a J'étais été. fier, hein. Ouais, c'était bien. Avant, je joue au rugby. Bien en plus, hein. J'arrive à faire T'aimes des ça? trucs. Ouais, c'est mort. T'es Je nul. suis trop vieux. Et du Ouais. coup, c'était pas mal. Et du coup, les 5 premiers matchs que j'ai fait avec Montpellier, figure-toi qu'on les a tous perdus. Hein. Ah, voilà. Et voilà. Hein. T'es champion J'ai été d'Europe. viré l'année d'après. Hein. Et voilà. Là, je me suis fait tatouer dans le dos, je sais pas comment on appelle ça, un gros truc sur toute la colonne vertébrale. Voilà. Avec mon nom, mon prénom, mon Il s'est pris adresse. pour un Polynésien. Allez, tiens. J'en ai pas. Lui, il se fait pas tatouer, c'est beaucoup trop cher en Ardèche, donc il n'y a pas de Non, tatoueur. je garde mon corps propre. Ouais, c'est ça. Tu laisses te démerder. Déjà, moi je voulais être nu. Personne n'a voulu, d'accord, que ça soit clair. Parce que j'ai pas assez de followers, alors ça me saoule. Je voulais être nu, moi déjà. Et on tient quelque chose là, non? Ah, ça pousse pas sur les arbres, les trucs comme ça, je vais les mettre.